Alors, comme on voit, j'ai mon Stamparatus ici, qui va être disponible dès le 1er juin. Alors, ne vous découragez pas, c'est bientôt, bientôt. Alors, comme je l'ai eu en avance, je vous montre. Je voulais faire des cartes de bienvenue pour mes nouvelles clientes, parce que quand j'ai des nouvelles clientes, c'est la fête, je prépare un paquet spécial. Je ne veux pas dire ce qu'il y a dedans pour pas gâcher la surprise à mes clientes. Mais je vous montre un exemple ici d'une carte où il va falloir que j'en fasse des dizaines et des dizaines et où le Stamparatus va m'aider vraiment beaucoup. C'est de l'estampage en trois étapes, donc ça nous aide beaucoup. Je fais ça rapidement. J'ai déjà fait d'autres vidéos avec le Stamparatus. Alors, Maison du Bonheur ici que j'aime beaucoup. Ce n'est pas le premier jeu d'étampe que j'ai acheté, que j'ai pensé à acheter. Mais dès que je me suis procuré, j'ai vu plein, plein d'opportunités. Alors, j'ai positionné déjà mon papier murmure blanc. Comme j'utilise des étampes en résine, j'ai mis le tapis mousse, ça va beaucoup mieux. Et là, je me positionne où je veux avoir mon étampe sur mon papier. Alors, première étape, c'est d'aller ancrer. Ça, c'est comme mon élément principal, mes fleurs. Donc, en rouge-rouge. Et je vais appuyer bien fort parce que c'est quand même une grosse étampe. Si je trouve que c'est pas assez foncé, j'y retourne sans problème. Ça va être un peu au même endroit. Là, ce que je veux vous montrer, c'est la deuxième étampe. Donc, une fois que c'est positionné comme je le désire, je vais la chercher. Voyez-vous, là, j'ai essayé d'éloigner mes aimants parce que je veux tellement pas qu'ils se collent ensemble. Donc, je les ai éloignés peut-être un petit peu trop, mon papier élève. Mais il faut dire que mes étampes sont très, très collantes. Voilà. Et il me reste une troisième étape. Qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ça? Je vais prendre ici ma grille, je la tourne de côté et je vais chercher la troisième étape et la positionner où je veux. Et qu'est-ce que ça va me permettre de faire ça? Ça va être d'en faire à répétition. Voyons, j'ai un petit peu de difficulté à décider. Ça vous arrive des fois, vous aussi, j'imagine? Voilà, donc je vais chercher mon étampe. Je l'ancre en noir pour le contraste. Et là, c'est sûr que j'en ai mis beaucoup, donc il ne faut pas que je passe trop fort pour ne pas aller imprimer toutes les petites lignes. Voilà, et là, ce que je fais... Je vais en faire à peu près 36, j'ai calculé. Je vais juste avoir à venir me positionner ancré en noir, ancré en rouge, ancré en vert. Alors, voyez-vous comment ça sauve du temps? C'est assez incroyable. Et moi, ça m'aide pour mes douleurs. Donc, ce que ça donne, en finissant, j'ai été utiliser le beau papier célébration. Je ne sais pas si au moment où je vais poster cette vidéo-là, ça va être encore célébration, mais bref. Il peut se remplacer par plein d'autres papiers, limonade à la limite. Alors, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'on peut aller chercher aussi avec les Thin Lips. On va chercher notre maison, comme j'ai fait. Mais on peut aller après ça chercher, voyons, l'étampe ici. Aller chercher juste les fleurs. Écoutez, vous allez en chercher beaucoup, là, juste en un tour dans la Big Shot. Et vous pouvez aller faire des petites fleurs qui sortent de la cheminée ou en faire au pied ici. C'est un jeu d'étampes qui est méconnu, qu'on ne voit pas assez. Et voyez-vous, il y a des belles fleurs, des belles feuilles à faire un pot. Alors bref, il y a beaucoup de possibilités dans ce lot-là. Procurez-vous-le avant qu'il disparaisse. Il y a beaucoup, beaucoup d'occasions, donc bienvenue. Votre famille s'agrandit. Bienvenue dans le quartier. Nous vous invitons. Bienvenue. Félicitations pour cette nouvelle vie ensemble, pour votre nouvelle maison, etc. Donc, on peut même faire des plantes suspendues. C'est de toute beauté. Alors, j'espère que ça vous a inspiré avec le Stamparatus et je vous souhaite une bonne journée.